Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un let's play incroyable pour la suite du let's play incroyable avec le reporter crew sur Bomber Crew. C'est parti. Donc on avait prévu d'aller sauver Billy. Parce que Billy il sait pas nager. Il s'est fait abattre. Donc on va sauver Billy, bien sûr. Ok. Et comme ça on va en prendre. Non non bah. Hop là. On se met en bas. Donc on a juste un type à qui on va envoyer un truc ou deux, puis après c'est de l'abattage de mobs, bêtes et méchants. Voilà. On va d'abord se consacrer à abattage de mobs, bêtes et méchants, et puis toi on n'a pas besoin de toi. Donc tout de suite au canon, et paf, et fait-il beau temps. C'est pas exactement ça, mais on pourrait tenter, excusez-moi, on pourrait tenter de monter un petit peu plus haut. Avec toujours notre train d'atterrissage à l'extérieur, parce que c'est un style. C'est un style de combat que tu peux pas tester. Ça t'ajoute du blindage, hein. T'as un pneumatique qui encaisse une cartouche ou deux, tu gagnes du blindage, hein. Bon, après, pour te poser, c'est une autre question, mais... Disons que... Franchement, voilà. Je pense que c'est une bonne explication. Ah. Gunnar. Command Zimir, Gunnar. Comme un Zimir. Ouais, viens de face, Gunnar. Gunnar, t'es un connard. Ah, parfait. Merci, Gunnar. Garde. Reste comme ça. Reste comme ça, bro. Ah, bah merde. Mais putain, t'es mort trop vite, Gunnar. Abruti, va. Bon. Va falloir descendre, mon gros. Je vous fais une petite plongée, on descend en bas. Right, s'il te plaît. Ouais, on largue, on largue, on va larguer, TKT. Je crois que ça a pingé à un moment donné sur le radar et... Arrête de faire des paliers, tu me fatigues. Ouais, on va devoir repasser, hein, 800%. Ouais, ouais, ça aurait été trop beau. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas le temps avec... Ok, on fait demi-tour. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas... Ah. Je crois qu'il y a des gens qui nous harcèlent. Travaille un peu. On va recharger. Jeez, il faut que tu recharges bientôt. Et merde, j'ai loupé un passage. Je suis un con. Je suis un con, j'ai loupé mon passage. Désolé, vieux. Hein. Non, mais te dois pas, Billy. Hein. Reste cool. Stay cool. Keep talking and nobody explose. Hein. Faut que je m'intéresse à mon largage. Bon, je fais beaucoup de passe-passe, beaucoup de machin, mais on confirme pas grand chose. Voilà. Salut vieux. Paf sur la carte. On a forcément voilà, repéré quelque chose. Hop. Quelque chose cerclé de rouge. Hein. Ça a pas l'air de trop rigoler là-bas. Alors ok, plusieurs choses. Scott, c'est bon. Bon. Recharger, recharge. Ouais. Je pense que tu vas venir là en attendant que je décide de prendre cette photo. Jeez, va te faire soigner. Va faire une pause. Petite pause café, Jeez. Peut-être dans le guidon. Hein. Reporter cool. Hein. Oh, il est beau. Il est beau. Il a un peu trop de camouflage, peut-être. Tout est rechargé, tout le monde, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, hein. Tout le monde est rechargé maintenant. Parfait. Ouf. Non, mais pas du tout en fait. Ouais, en fait, nous on va là. Hein. Je me disais, attends, c'est bizarre, il me propose toujours pas de prendre la photo, le con. Ouais bah tu m'étonnes ouais. Ouais tu m'étonnes. Qu'est-ce qui t'arrive Bert? Va te faire soigner aussi. Hein. Non mais les mecs ils m'ont arnaqué mais tellement fort. Mais non mais j'en ai rien à foutre, je veux pas faire demi-tour mon dos.
Cartman. Nous, on veut notre photo avant de rentrer. On est des reporters ou on est des reporters à un moment donné? Je veux dire. Voilà. Merci, poulet. Incroyable, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ouais, Scott, je pense que tu peux revenir au carburant tranquillement, vieux, hein, parce que je sais pas si ça va clash vraiment. Vraiment méchamment, ça m'étonnerait. Tu pourrais nous filer un petit coup de pouce pour qu'on prenne cette photo vite fait. La photo avec un peu de flou, tu vois, un peu artistique quand même. Parce qu'on fait du journalisme, mais c'est avant tout aussi un art. Voilà, ce n'est pas qu'une question de conviction. Et je rappelle que l'art est après tout une expression de la conviction. Voilà. Conviction expressive. Enfin, fais-moi un marquage audio. Petite reconnaissance radio, ma poule, s'il te plaît. Nice. Ok, on a marqué 3 glandos. Rien d'autre à ajouter sur la map. On va voyager sur toute la France. Aucun renseignement reçu. Très bien, très bien. Paf, c'est tombé. Voilà, y'a plus rien à faire. Y'a plus rien à faire. Toi en plus t'as encore des niveaux à prendre parce que... Non c'est toi. Toi il te reste encore un niveau à prendre. Et après on pourra commencer à voyager un peu plus haut parce que là... Là mec tu nous stresses hein. Ah c'est stressant, ton incapacité est stressante. Allez. On pousse. Donc Gunnar, c'est fait, on va toucher un peu de pognon, ça fait plaisir. Je sais pas si on aura ceci dit la recherche nécessaire pour débloquer un nouveau type de moteur, parce que sinon c'est nouveau type de moteur et nouveau fuselage. Et on part tomber le barrage. Il va me falloir un peu de blindage pour le barrage, on va se mentir. Surtout que la bombe rebondissante, on est obligé de la lâcher à basse altitude, on n'a pas le choix. Il faut vraiment la lâcher en bas. Savoir. Ah, ça y est. À fond les ballons. Trouver de retour avec même pas de trou dans la carrosserie, un petit peu quand même. Non, même pas, ils ont croqué un peu les ailes, mais ce sera été là. Ils ont été cool. Et c'est fini. Bon, ben on va pouvoir faire mumuse avec notre bombe qui rebondit. Voilà, et Gunnar est mort. Et là, ça fait plaisir. Et là, ça fait plaisir. Et là, on a ramassé de l'argent. On aime la thune. Oui, oui, oui. Alors, je vois des nouveaux moteurs. Le MK4, le standard MK4. Et là, ça me parle bien. Ça me parle bien. Nouvel ensemble, les gars. Comment ça se passe? Nouveau pré-réglage complet. On a la tenue de pilote avancée. Ah ouais, mais ça, ça va être les rôles de chacun. Parce que toi, t'es pilote, mais les autres n'auront pas la même. Bien sûr, pilote Reban, évidemment. Ah, c'est pas les mêmes couleurs. C'est un style. Et c'est 10 balles de plus. C'est 10 balles de plus pour avoir plus de style. C'est jouer à concept pour changer de vie, les mecs, à ce niveau-là. On a la thermique 3. En vrai, ce serait vraiment pas une mauvaise idée. Hein. Scott, il peut pas trop changer. Scott, si je te mets la 2, tu perds vraiment beaucoup. Tombe à 76% de vitesse, en vrai... 71, même 71, en vrai c'est encore très acceptable. Équipe tout le monde. Là je vous ai tous équipés, voilà. Je ne peux pas me moquer de vous. Là voilà, ce serait bien, avion. Hop. Ok. La livrée. La peinture de base ne bouge pas. Ah, les moteurs. On est venu pour ça. On est venu pour ça, monsieur l'agent. Parce que là on est déjà au bout. Coûtait un peu cher, monsieur l'agent, quand même. Monsieur l'agent, on est... Arrêtez de raqueter son prochain comme ça. 211 352. Ouais. Je pense qu'on a déjà vraiment le meilleur canon du monde et fin d'histoire.
Par contre, on va en profiter pour faire monter les fuselages. Parce que là, on est sur du MK3 blindé, là, on est sur du MK1. Si vous pouvez passer sur du MK3 blindé, genre ici, ça serait quand même pas mal. Au milieu, on est sur du MK3. À l'avant, on est sur du standard. Que MK2 léger. J'ai les moyens. Si j'aurais jamais les moyens, je pense, mais un petit fuselage blindé vite fait, quoi, histoire de pas avoir l'air trop ridicule. Ah, c'est ça, là on a déjà plus les moyens. C'est vraiment histoire de pas avoir l'air ridicule et d'avoir au moins un blindage, quelque chose. Putain, même à l'avant, j'ai rien, quoi. Oh la misère, ouais, mets-moi ça, mets-moi ça aussi. Au moins, on a, voilà, on a l'air un peu moins ridicule, on a un vrai blindage. Bon, après, encore une fois, nous ne sommes que des reporters. Des reporters de guerre, certes, mais des reporters de guerre. Ouais. Risque élevé. Ah, ça reste en risque élevé quand même. Hein. Et dégâts ennemis réduits encore pour la mission là qui suit. Hein. Donc faut en profiter. Non, faut y aller. Le problème c'est qu'on sera un peu loin. Le retour, en plus, je sais comment on descend dessus là. On va pas en vraiment en ligne droite. On va faire un vieux crochet bien sale des familles que j'aime pas du tout. Ok, tout de suite on réduit le carburant parce que là en vrai je sais déjà que ça a piqué. Alors le truc c'est qu'on est de nuit et on a des gars qui savent pas se repérer aux étoiles, donc on va être un petit peu condamné à voyager un peu bas. J'aime pas tellement ça. Ça a l'air dégagé, hein, j'ai envie de monter un peu. Hein. Okay, donc là on va se retrouver au dessus des nuages. C'est bon, tu gères encore 50%, t'es pas tout à fait perdu. Tu le vois le salon, pote, tu le vois. En fait, Wright, est-ce que tu peux juste venir là vite fait, me charger ça, merci. J'espère que vous supportez ce niveau d'hypothermie. On va se placer derrière. T'as fait des tours de passe, mon gars, ça ne voulait rien dire. T'as été ridicule, sache-le. Qu'est-ce que tu fais? Toi, va réparer tout de suite. Avec ça, je vais même pas en entendre parler. Il n'y a même pas à discuter. 5 secondes, recharge. Clac, t'en as pas pour long. Tac, c'est bon, t'es déjà prêt. Ok, nice. Ouais, bon, au milieu, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Plein de nuages, plein de nuages. Ça me va. Ah oui, il y a un petit gadjo en bas là. À l'avant, vas-y, abonne, c'est gratuit chez toi. Allez, 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 abonnez. Plus il me fout de la paix, mieux je me porte. Allez, excusez-moi ça. Ok, les infos, mec, tu retrouves le pays un peu ou... Ça a l'air compliqué pour toi. Ça a l'air chaud, ça a l'air chaud. Ok, c'est bon, il arrive à suivre. C'est pas évident, mais il arrive à suivre. Edges, recharge. Paf, Scott, tu recharges aussi. Scott, ok, Scott, oublie ce que je viens de te dire. En fait, tu vas rester au canon et toute ta vie.
aujourd'hui pour les siècles des siècles. Amen. En bas, ça a l'air d'être la grosse stuff en plus, donc vaut mieux qu'on reste ici. On est bien là. Oui, on peut voyager 1000 ans comme ça, c'est bon, ça va. Arrêtez le cinéma. Par contre, à te tuer n'importe quoi. On ne voit plus rien. Ah. Plus un pet de sol, le mec il aime pas ça. Scott, s'il te plaît, concentre-toi. Scott, concentre-toi. Scott, sors-le. Merci, Scott. Allez, sortez-les tous, Pokémon. Pokémon, sortez-les tous. Recharge, lui. Recharge aussi. Ok. Bien sûr qu'il nous faut une direction. On va être obligé de plonger. Allez. Non, c'était pas. Ouais. On va dire que tu fais ça. Ouais. Ouais, on va dire que je me suis gouré, hein. D'accord? Tu m'en veux pas, hein, perso, je t'en veux pas. On se dit qu'on est quitte. On est dit, tu plonges. Voilà, on est quitte. On va le trouver, notre barrage. TKT, lui. Plonge. Vraiment, vraiment. L'autre, il voit pas du tout le sol, là. Faut qu'il voit quelque chose. T'as vu? Alors, mec, regarde. Ce sont des champs et des forêts. Comme tout à cette époque. Mais, c'est bon? Tu vois quelque chose? Tu nous lâches une info, vieux? Eh, merci. Mais t'es un gars sûr, j'ai toujours su que t'étais un gars sûr. Radio? Est-ce qu'on peut avoir une petite reconnaissance? Est-ce que tu peux nous lâcher une reconnaissance radio, s'il te plaît? Comment ça se passe? Un bon renseignement ajouté à la carte, très bien. Ok. En attendant qu'on arrive sur site, si tu veux bien, Radioman... faire économiser un peu de carburant, on apprécierait. Je crois que j'ai les nouveaux carburants. Oh, je... ouais, en réservoir, je suis pas mal. Ok, on est pas mal. Ok, nous approchons du barrage, parfait. On va commencer le bombardement. Est-ce que tu es rechargé? Tout le monde est rechargé. Right, s'il te plaît, prends ta place, je te prie. Ok, est-ce qu'on est toujours en économie de carburant? Très bien. Larguer la bombe lorsque les lumières de ciblage convergent ou elle ne rebondira pas. Bonheur de Major. Je suis serein. Je suis serein. Ok, faut pas que je misclique, hein. Pas de misclique, hein. On est serein. Être serein quand t'es malade, c'est quand même vachement compliqué. Quand t'es un peu malade. Ça va. Ok. Ça rebondit. Oh. All right. Il va te faire soigner en Angleterre. Il va voir la gueule de leur métro. Ok, il faut que... D'accord, on ne remonte pas, on ne remonte pas du tout. Ok, on va là. Négatif, on redescend, Major, on redescend. Arrête de faire le con, Martoni. J'ai l'impression que je me fais poursuivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la radio? Non, pas du tout. Il me faut un mec à la radio tout de suite. Un mec à la radio tout de suite, s'il vous plaît, il me faut un marquage auto. Voilà, merci, parce que là, il y a les deux gars qui se glandaient la nuit, voilà. Bon, maintenant, il n'y a plus personne qui se glande la nuit. Qu'est-ce que c'est que cette cible droit devant? Qui est donc cette personne qui vient nous embêter? Nous on n'a rien fait, on est des gens très innocents. Arrêtez. Ok, nous on veut prendre une bonne photo, s'il vous plaît. Nous on est photographe avant tout, je sais pas si vous saviez. C'est écrit sur la carlingue. Ok, right, est-ce que tu veux bien reprendre ton poste, s'il te plaît? Pendant qu'on amorce une marche arrière. Je viens de voir qu'on m'a balayé de nous. Que j'ai pas capté là. Ouais, paf. Bert t'as pris cher. Bert arrose. Luchis arrose. Pas Bright. Scott. Merde. Viens ici.
utilise-moi ça là. Tu vas l'éteindre, oui, couillou merde. Vide le carburant, vide le carburant, vide. Vide, vide, vide. Vide ma poule, vide. Ok, c'est bon, régalise, régalise ma poule. Régalise ma poule. On est bien, parfait. Quand on est sur la radio. On est en train de rater tous les points de passage. C'est parfait. Marquage auto, s'il te plaît, radio de reconnaissance. Ouais, merci. Les mecs qui sont en blablabla. Ah. Allons-y doucement. Recharge, mec, recharge. Recharge ma poule. Quoi qu'il te reste encore quelque chose. Burt, 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 éloigne-le, éloigne-le. Dis-lui de rester loin, dis-lui de rester loin là. Donc faut qu'on puisse respirer. Il nous faut un peu de marge d'erreur. Oh putain, on rentre dans les emmerdes. Oh non. Ok, encore 3 squads d'avions qui se ramènent. Courage les mecs. Ça a l'air d'aller, ça peut se faire, ça peut se faire. Ah, c'est du gros, c'est du bombardier, ça peut se faire. Juste faut que tu ailles recharger tout de suite. Ok, moi j'y crois à mort les mecs, hein. Je pense que vous avez été conçus pour ce jour. C'est le jour J. Si vous réussissez, vous aurez la peinture du jour J. Vous serez des vrais. Vous l'aurez mérité. Mais gloire à Yoxotan. Non mais non mais pas ça, non, gloire à vous. Voilà. On le vit bien. Jeez, est-ce que t'as le temps d'aller faire un petit. Petite pause, poster. C'est l'heure du thé. L'heure du thé, ma gueule. Profites-en. On a pris un peu d'aération. Aïe aïe aïe, y'a un moteur qui aime pas ça. Hein. Ok, ok. Waouh! Qui a pris comme ça là? Bert, il a pris un coup de flaque comme ça dans la bouche. Faut qu'on monte. Faut qu'on monte. Prend trop cher. On va se retrouver entre deux zones de flaques, faut en profiter là maintenant. Faut qu'on monte. On monte ma gueule. Viens ici. Faut qu'on monte vieux. Fais-nous monter. Fais-nous monter. Faut qu'on pousse. On aura assez de carburant pour rentrer à la maison, y'a pas de problème. On a l'air de se stabiliser. On a l'air d'être à altitude, ok, à peu près. En vrai, ça a l'air d'aller. J'espère que vous êtes tous en position. Scott ? Scott, tu vas être fauché. Scott, t'as plus de but. Putain, Scott, allume ! Scott ! Sois chaud ! T'es trop chaud, Scott ! Non, oh, mais Scott, c'est devenu un artilleur. Hein. Faut dire, il a le canon. Il a le canon. Il a plus rien à justifier à personne, il s'en fout. Voilà, il a le canon et puis c'est tout quoi. Joseph, y a pas d'autre canon à posséder quoi. Bien joué Scott, ça m'a fait plaisir sur ce move là. T'as prouvé que t'étais pas juste un connard. Cartman, j'ai besoin de toi là. Ici là. Tout de suite. Ok, éteins-moi ça. Vite tout le carburant de l'autre côté, excuse-moi. On est en train d'alimenter le feu. C'est éteint. Confirmé, c'est éteint. Ok, ça a pas lâché, TKT. Hop là, Scott s'il te plaît. L'électricité, remets-toi dessus. Ok, Barton, qu'est-ce que tu dis de carburant? Tu dis on est un peu chaud, mais en vrai, je sais que tu fais du cinéma. Hein. Arrête ton sinoche, hein. Arrête ton sinoche ma gueule. Hein. T'as compris, hein. T'as compris depuis le début. Hein. C'est pas genre. Est-ce qu'il se passe des choses dans le pays non. Oh, j'ai lancé le marquage auto, je me déteste. Burt, va te faire soigner en Angleterre. Jis, recharge. Scott, c'est bon. Scott, s'il te plaît. Très bien. Voilà, bah t'auras visité les étoiles un peu, l'autre con là. On a rechargé également. C'est pas dit. Ah si, on est sur le terre-terre. Oh, on est au pays, les gars. On est au pays. On est au pays. On peut redescendre. Bien joué à tous. Bien joué à tous. L'émotion est complète. L'émotion est totale. Incroyable. Cartman, tu peux aller te faire soigner. C'est beau. Bon, les moteurs ont tenu. Hein. Moteurs, en vrai, ils font la gueule, mais ils ont tenu.
Sachez-le, au moment où plus personne n'y croyait, ils ont tenu. Et c'est touché, et c'est gagné. Et y'a que Richie qui est pas frais. C'est beau. Hein. Alors là, paf, paf, pif, paf, pouf, des thunes partout. Et mission principale réussie. Et ça, ça fait plaisir. Ah, une mission où on avait échoué, je vous rappelle, précédemment, avec plus de jours de combat, je crois. Beaucoup plus de jours de combat. Donc, je suis très content qu'on ait réussi. Bon, en même temps, meilleure maîtrise, hein, du coup. Hein. C'est comme tous ces jeux, quelque part, il faut un peu échouer pour apprendre de ces échecs, voilà. On s'est un peu gavé, je crois. Hein. Équipement d'équipage 9790, on est pas mal. Est-ce que un jour la mission secrète? Ah, ça commence à nous parler mission secrète, tout ça. Ça commence à vous nous dire, les mecs, vous avez assez de moyens quoi pour attaquer des vrais sujets. De quoi on parle? On m'a dit qu'il y avait des nouvelles tourelles. Ah non, c'est les missiles. Je vais faire arnaquer, wesh. Terrible. Ah, on peut avoir de nouveaux pigeons? Non, on va avoir des dérives. Ouais, ça peut se faire aussi, mais je préférerais voilà, tabler sur un fuselage plus compétitif à la limite. Ouais, on a M4-3, ouais. M4-3 partout, moteur, M4-3. Ouais, mais je crois qu'on est en M4-4, ouais, c'est ça, hein, on peut passer en M4-4. Allez, c'est parti! On sort les sous, ça fait plaisir. C'est plaisir, on sort les sous parce qu'on les a. Et ça, ça fait plaisir. Paf, et il est beau, il est magnifique. Ouh. Et bien, ah, nouveau pilote de chiasse. C'est pas bon ça. Une vulgaire chasse au sous-marin, d'accord. Arme secrète. Est-ce qu'une arme secrète... Bon, c'est la grande semaine, vous serez le premier à frapper la production de chasseurs de l'ennemi. Faites que l'ennemi contacte un avion expérimental, le temps presse. Le temps presse, mec, mais la mission elle est là depuis le début. Hein. Je pense qu'on peut se lancer ça en guise de prochaine mission. Ou alors, je me fais vite fait en off la petite partie un peu facile. Comme ça, j'atteins les 10 000 points. Et on est bien pour avoir du nouveau matos. Et faire cette mission secrète. Ce qui me paraît bien. Sur ce, je vous retrouve dans un prochain épisode. C'était Clairfonction, comme d'habitude, gaming pour Bomber Crew. À la prochaine. Ciao.